Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer mes cadeaux de Noël. Donc, premièrement, je suis vraiment désolée d'avoir mis cette vidéo aussi tard, mais j'ai pas pu la finir avant. Donc, vraiment, je m'excuse, je suis vraiment désolée. Ça m'a embêtée, mais bon, vu le temps que j'y ai passé, j'avais pas envie de pas la poster, donc voilà. Donc, du coup, dans cette vidéo, je vais vous énumérer les cadeaux que j'ai eu pour Noël. Il y en a juste un que j'ai eu il y a pas longtemps, donc j'ai pas pu le mettre dans la vidéo. C'était un petit cheval à bascule qu'on décore, en fait, c'est super mignon. Donc pour l'intro et pour le final de cette vidéo, j'ai disposé du coup mes cadeaux sur mon lit et je les ai délimités par catégorie avec les guirlandes que j'avais utilisées pour ma décoration de Noël, donc dans les tons rouge et blanc argenté. Je trouvais ça sympa, donc voilà, j'espère que ça vous plaît, parce que j'ai passé pas mal de temps aussi sur cette vidéo, à la tourner également, juste à disposer mes cadeaux pour que ça fasse un beau rendu. Donc j'espère que ça vous plaira. Les différentes catégories dans lesquelles j'ai classé mes cadeaux sont premièrement donc les accessoires, dans lesquels il y a donc ma montre et un cintre pour y mettre des bijoux. Il y a la catégorie papeterie dans laquelle j'ai mis donc mon porte-monnaie Roxy et un journal intime donc qu'on ferme avec un grenat et donc il y a les clés pour l'ouvrir. Il y a la catégorie déco, enfin ça fait des sortes de livres, mais c'est pour ranger, c'est pas du tout des livres en fait. Ça a l'aspect de livre, mais ça n'en est pas. La catégorie sac dans laquelle j'ai mis justement un sac que j'ai eu à Noël, donc un sac Bordeaux, et avec des ailes en strass. Dans la catégorie salle de bain, il y a donc une trousse de toilette, des perles de bain en forme de cœur, et deux gels douche de chez Yves Rocher. Dans la catégorie bijoux, il y a deux bracelets et une bague. Dans la catégorie parfum, ce sont simplement deux échantillons de parfums d'Yves Rocher. Dans la catégorie vernis, il y a un sépare-orteil pour faciliter l'application de vernis sur les pieds. Et deux vernis, un de couleur bleu nuit et un couleur or. Dans la catégorie maquillage, il y a une superbe palette de maquillage. Et dans la dernière catégorie, qui est la catégorie instrument, il y a un repose-pied pour guitariste, un micro et un boîtier pour récupérer le son qu'on prend dans le micro et le transférer sur l'ordinateur. Donc on commence avec la catégorie accessoires et donc avec ma montre. Donc je voulais une montre parce que pour moi une montre c'est vraiment indispensable. Donc on a l'heure tout le temps avec soi, on a le chrono, le timer, l'alarme, on a vraiment tout. C'est hyper pratique et pour moi ouais, c'est vraiment indispensable. Donc je vais vous montrer mon ancienne, j'en voulais une nouvelle parce que bah, celle-ci elle était vraiment abîmée comme vous pouvez le voir. Donc là je l'ai mise sur un peu le carton d'emballage qu'il y avait... Enfin, sur laquelle était ma montre, ma nouvelle montre. Donc, il y a aussi des explications derrière. Donc, elle fonctionne avec des petites piles. Elle résiste un peu à l'eau. Donc, elle fait alarme. Aussi, elle s'éclaire. Donc, ça, c'est très important parce que mon ancienne, elle ne le faisait pas. C'est vraiment pas pratique. Donc, on a aussi la date. Donc, le chrono et le timer. Donc, vraiment, ça fait tout. C'est super. Donc, je l'ai acheté à Decathlon. Pas très très cher, je sais plus combien, mais voilà. Donc je l'avais choisi parce que bah pour moi c'est un cadeau ça qu'il faut choisir, même si j'aime bien les surprises. Donc ça c'était vraiment mon cadeau essentiel que je voulais absolument avoir et qu'il me fallait vraiment. C'était le cadeau utile, mais aussi joli parce que je la trouve super jolie cette montre avec un mélange. Donc il y a des couleurs, il y a du rose, du violet et du blanc. Et ce mélange des couleurs, je trouve ça super joli.
Certains vont dire, oh, elle a pas besoin de montre parce que on a déjà elle a déjà un portable et ça sert on peut tout faire avec son portable. Sauf que moi je trouve ça beaucoup plus pratique avec une montre. D'ailleurs, je l'ai tout le temps alors que le portable pas automatiquement. Aussi parce qu'au collège c'est interdit les portables. Et moi je trouve ça vraiment plus pratique avec une montre, mais après c'est vraiment une question de goût. Le deuxième cadeau que j'ai mis dans la catégorie accessoires, c'est ce cintre violet pour mettre les bijoux. Donc en haut, il y a plein de petits trous pour déposer les boucles d'oreilles. Et en bas, c'est un peu ondulé pour y mettre surtout les colliers ou les bracelets. Donc là, j'ai pris une petite boucle d'oreille pour vous montrer en fait comment ça se met. Donc il suffit juste de la mettre dedans. Et après, derrière, ben, on remet le petit truc blanc en plastique pour pas qu'elle tombe. Et c'est mieux d'en avoir parce que quand il n'y en a pas, ça tombe beaucoup plus facilement. On peut aussi mettre des grosses boucles d'oreilles, ça tient aussi. Et ça résiste à lourds de bijoux. À mon souvenir, j'ai acheté ces boucles d'oreilles à Etam, mais c'est pas sûr. Donc du coup, en bas, on peut mettre des colliers, donc c'est plus pratique quand il y a un petit crochet pour l'enlever, comme ça on le passe autour et après ça tient tout seul. Et je vais vous montrer comment attacher un collier comme ça qui ne s'ouvre pas. Donc on le passe derrière et on le repasse dans le collier. Bon, je sais comment j'explique, je pense que vous comprenez pas trop, mais si vous regardez, vous allez comprendre. Comme vous avez sûrement pu le voir, ma grosse boucle d'oreille est tombée. Donc je m'en étais pas rendu compte, donc juste après là, je l'ai remis. Donc c'est pour ça que c'est mieux d'avoir petit bout de plastique qu'on met derrière les boucles d'oreilles pour pas qu'elles tombent, ou si ça se referme, bah les refermer pour bien que ça tienne, et éviter aussi de bouger le cintre pour éviter de tout faire tomber. Donc après on peut aussi mettre des bracelets qui s'accrochent par le même système. Mais je sais une technique pour accrocher les bracelets du genre Shambhala. En fait, il y a deux fils qui partent en fait et on fait un nœud autour et comme ça on peut les accrocher. Et aussi c'est bien de mettre les petites boules entre pour pouvoir le défaire facilement et pas trop abîmer le bracelet. Ensuite on dispose les bijoux comme on veut sur le cintre. Donc bien évidemment on peut en mettre beaucoup plus, hein. Là c'était juste pour vous montrer avec quelques-uns. Ça fait aussi un peu une déco, c'est vraiment super joli. La deuxième catégorie est celle des bijoux. Donc dans celle-ci, il y a ce petit bracelet. Donc ça devait être un cadeau Yves Rocher, je pense. C'est des sortes de perles rondes. Enfin, plates. Je ne sais pas trop comment dire. Enfin, vous voyez bien. Donc c'est élastique. Donc ça, c'est pratique. Mais par contre, c'est un peu grand. Et c'est vrai que les bracelets qui se baladent autour du poignet, ça me gêne un peu. Mais bon, voilà. Le second bijou est également un bracelet, donc dans une pochette. C'est un bracelet Ikita Paris. Je connaissais pas du tout, mais c'est très sympa. C'est une sorte de velours, la pochette velours violet, c'est super joli. Mais bien sûr, ce qui est intéressant, c'est le bracelet. Donc c'est des sortes de pierres dessus, et c'est brillant, il y a des petites paillettes partout, et ça j'aime bien. C'est dans les tons violets, donc si vous savez pas, le violet c'est ma couleur préférée, donc voilà. Donc aussi c'est élastique, mais l'élastique on le voit pas, donc c'est ça aussi qui est beau. Mais du coup pour l'enfiler, c'est beaucoup plus pratique. Là aussi c'est un bracelet un peu grand qui se balade un peu. Bon, c'est vrai que j'aime pas trop quand c'est comme ça, parce que souvent ça me gêne. Mais bon, de toute façon au quotidien, je mets pas trop de bracelets. En fait, je réserve plutôt les bracelets pour les occasions. Quand il y a des fêtes ou des choses comme ça.
Après, c'est quand même un style assez spécial. Mais ça reste joli et assez portable parce que c'est pas spécialement un gros bijou. Le troisième et dernier bijou est une bague en fait. Donc elle vient de Gémeaux. Je l'avais déjà repérée avant, ma mère n'avait pas voulu l'acheter, du coup bah, elle me l'a offert pour Noël. C'est une bague Londres. Donc il y a le drapeau dessus, mais c'est un nœud en fait. Et le drapeau est sur le nœud, mais aussi sur le tour de la bague. Il fait un peu toute la bague. Je trouve ça super joli. C'est vraiment une bague super belle. Bon après, c'est en plastique, c'est pas d'une super bonne qualité, mais je la trouve super jolie. Donc en fait, je l'ai acheté parce que j'avais déjà acheté ce t-shirt-là à Gémeaux. Donc avec écrit Swaggy dessus et un petit chien, sa langue avec sur sa langue le drapeau d'Angleterre et derrière... Bah, il y en a en noir et blanc. Et en fait, je trouve que ça va super bien ensemble. C'est aussi pour ça que je la voulais, cette bague, parce que sinon, je savais pas trop avec quoi la mettre. Mais là, ça allait super bien avec. Et les deux, vraiment, c'est super beau. Bon, après, c'est une bague assez grosse, quoique pas trop, je trouve. Mais voilà. Et l'avantage, c'est qu'elle est mise, sur un petit bout de plastique. Mais il y a un élastique pour la tenir, c'est pratique, je trouve. Dans la catégorie papeterie, il y a premièrement un journal intime. C'est un petit carnet avec des motifs mignons. Bon, c'est vrai, je trouve que ça fait un peu bébé, mais c'est pas un carnet que je vais emporter partout. Donc je me suis dit que c'était pas grave. Donc avec, bien évidemment, il y a un cadenas. Et les clés, donc là je les avais perdues, mais je les ai retrouvées, donc c'est bon. Ensuite, j'ai eu un porte-monnaie Roxy. Donc c'est noir avec des sortes de ronds de différentes couleurs. Bien évidemment, bah, il y a le dessin de Roxy. Ça s'ouvre avec des scratchs. À l'intérieur, il y a plein de trucs pour ranger des cartes ou tout ce qu'on veut. Il y a des sorte de poche plastique là qu'on voit, on voit la carte à travers en fait, enfin où on peut mettre des billets aussi comme on veut. Y a aussi des poches sur les côtés et un endroit qu'on ferme avec bah, une fermeture éclair pour mettre les pièces pour pas qu'elles tombent. L'inconvénient, c'est que je trouve que cet endroit est un peu petit, alors que le porte-monnaie est assez grand. Il y a aussi, voilà, une pochette derrière. Donc c'est vrai, ça, je trouve ça un peu dommage. Mais sinon, je le trouve très bien. Il y a même une pochette derrière. Il est vraiment bien. Après, je trouve que le style, ça fait un peu... Ça fait pas... C'est pas très girly, en fait. Dans la catégorie déco, en fait, ce sont deux petites boîtes qui font genre livre, en fait. En haut de celui-ci, il y a marqué AT et en bas Santoro London. Donc, en fait, celui-là, c'est le plus grand. On peut voir sur la tranche, en fait, ça fait bah, un effet livre. On dirait que c'est des pages, mais en fait, enfin, c'est juste entouré comme ça parce que c'est une boîte. Donc, quand on l'ouvre, voilà, c'est qu'il y a la petite qui était dedans. Mais je vais pas la laisser dedans parce que sinon ça va pas être très pratique. Et j'adore comment sont décorées ces boîtes parce qu'elles sont vraiment magnifiques. Il y a des petites filles super jolies. Donc, en haut de cette boîte-là, il y a écrit Dear Alice. Donc, la plus grande, elle est plus dans les tons foncés, alors que la petite est plus claire, dans les tons violets. Mais je trouve toutes les deux super jolies. Et ce que j'avais pas remarqué au début, c'est qu'en fait, c'est aimanté. Comme ça, bah, ça se ferme bien. Donc voilà, je trouve ça super, super trop beau. On arrive ensuite à la catégorie salle de bain. Donc je pense que c'est la plus chargée. Donc déjà, nous avons une trousse de toilette.
Elle est vraiment super jolie, elle est grise avec des pois blancs devant et des fleurs roses. Et ensuite, il y a des poignées roses. Je la trouve vraiment très belle. Et vraiment, j'en ai déjà pas mal, mais celle-ci, elle est vraiment plus grande. Et j'adore. Donc avec, j'ai eu deux gels douche. Donc celui-ci de Jardin du Monde à la grenade. Donc j'en avais déjà acheté et j'aimais bien. Mais il n'est pas dans mes préférés quand même. Et avec, j'ai eu aussi donc un petit gel douche plutôt à emporter en voyage qui sent les cerisiers en fleurs. Je sais juste que ça sent super bon. Ensuite, d'une autre personne, j'ai eu donc de chez Sephora. Donc déjà, cette pochette, je la trouve super jolie, elle brille, etc. C'est pas ça le cadeau, mais juste, j'adore. Donc je vais vous montrer le cadeau que j'ai à vous montrer. C'est quand même ça que vous voulez voir. Donc ce sont des perles de bain, mais en forme de cœur. Elles sont roses. Elles sentent bon et elles sont super jolies. J'adore. Donc il y en a 10, si je me souviens bien. Et vraiment, j'adore avoir des choses comme ça dans mon bain. La prochaine catégorie, c'est la catégorie parfum. Donc, dans laquelle j'ai eu deux échantillons de parfum. Donc, c'est plutôt un plus, c'est pas vraiment un cadeau en soi. Donc, j'ai eu avec la trousse de toilette. Donc, le premier parfum, c'est Vanille Noire. Et le deuxième, c'est Moment de Bonheur. Mais il y a marqué l'eau en dessous. Donc, c'est vert, parce que j'en avais déjà eu un, mais il était rose, il y avait marqué juste eau de parfum. Donc ces deux parfums viennent d'Yves Rocher. Vanille Noire, je me souviens, je trouve ça un peu fort. Moment de Bonheur, je sais pas du tout. Dans la catégorie maquillage, j'ai reçu une palette de maquillage vraiment super jolie. J'en avais jamais eu une grande comme ça. J'adore. Donc déjà le packaging, je trouve super beau. Donc là, il y avait une petite boîte en carton pour ranger la palette. Donc c'est une palette noire avec le dessus, c'est transparent et il y a des sortes de petits dessins. J'aime beaucoup. Donc quand on ouvre, on a tous les fards à paupières. Il y en a plein super beaux. Donc là, il y avait une protection en plastique. Ensuite, on tire les côtés et il y a le reste. Donc il y a un miroir qu'on soulève. Bon, il est assez petit, un peu bas, c'est le moins, on va dire. Ensuite, il y a des gels pailletés. Des embouts mousse, mais les blancs, j'aime pas trop parce que ils se tachent vite, enfin j'aime pas trop. Bon voilà. Et un petit pinceau pour les blushs que je vais vous montrer après. Et il y a aussi un mascara. Bien évidemment, c'est pas une super qualité, mais moi, je suis pas du genre à me maquiller souvent, que pour sortir. Mais en tous les jours, je me maquille pas, donc j'ai pas besoin d'une superbe qualité. Donc on voit qu'il y a des couleurs dans les tons marron, d'autres plus dans les tons roses. Il y a aussi des tons bleus et aussi un peu de vert. Il y a un peu de tout. Et les fards sont vraiment super beaux. Et ensuite, en dessous, il y a une sorte de petit tiroir en fait. Je ne l'avais pas remarqué au début, mais je l'ai vu après. Bien évidemment, pour l'ouvrir, on n'est pas obligé de fermer la boîte, mais là, c'était plus pratique. Donc, on a un fond de teint qu'on peut appliquer avec l'éponge qui est à côté et ensuite deux blushs. Donc vraiment c'est une palette super. Je la trouve super jolie donc merci. Voici la catégorie vernis dans laquelle j'ai premièrement eu des séparateurs orteils. Donc en fait c'est pour quand on se fait la une pédicure, et ben on met ça entre ses orteils pour
Mettre le vernis plus facilement et ne pas en mettre partout. Ensuite, j'ai aussi eu deux vernis de chez Yves Rocher, donc ça tombe bien, je les avais pas. Donc, premièrement, c'est un bleu nuit. Donc, c'est un bleu très foncé. Un peu trop, je trouve. Mais bon. Donc, c'est le numéro 51. Le second vernis, c'est un doré. Donc, ça, il s'appelle juste or. Donc, je l'ai mis quand j'ai tourné la vidéo. Donc, voilà ce que ça donne. Mais j'ai remarqué, en fait, pour... mon type de peau, la couleur de ma peau, le doré ça me va pas trop, vraiment l'argenté ça me va beaucoup mieux. Mais le or est quand même très joli. Dans la catégorie sac, j'ai juste un sac, mais bon c'est déjà pas mal. Donc je le voulais vraiment depuis un petit moment, il est vraiment trop trop beau. Donc là avec la lumière, la couleur elle est pas hyper jolie, ça donne pas vraiment ça en vrai. En fait c'est un assez grand sac d'ailleurs, bordeaux, avec donc devant des ailes en strass argenté. Donc c'est pas trop ce bordeaux là parce que là il fait un peu jaune, enfin mais bon voilà. À l'intérieur ça fait un peu du ou ouais, un peu du velours, je sais pas trop quoi. Et ensuite il y a une petite pochette dedans, on met ce qu'on veut. Donc ça vient de chez Mime. Il se ferme par une pression. Il est assez grand. Et franchement, j'adore ce sac. C'était un gros coup de cœur. Vraiment, il est magnifique. Parce qu'en fait, moi, quand j'achète des sacs, c'est souvent des coups de cœur. J'en ai pas forcément besoin, souvent. Mais je m'en sers quand même, parce que j'ai plein de sacs. D'ailleurs, si vous voulez que je vous fasse un haul de mes sacs, eh bien, dites-le moi en commentaire et je vous ferai. Ensuite vient l'avant-dernière catégorie, qui est la catégorie musique. Donc premièrement, j'ai eu un repose-pied pour guitariste parce que je fais de la guitare depuis cette année. Là, je suis dans ma première année. Et pour répéter à la maison, j'avais pas de repose-pied. Donc là, j'en voulais un parce que sinon je prenais des livres ou des choses. Mais c'est vraiment pas pratique. Alors que là, j'ai vraiment un repose-pied et c'est super bien. L'inconvénient que j'ai, c'est... que ça salit assez vite sur le dessus. Donc voilà, on repose son pied comme ça, après l'avoir installé à la hauteur qu'on veut. Donc là, vu qu'il était neuf, oui, il est un peu dur à manier, on va dire. Donc celui-là, c'est un gris, enfin, sans couleur, on va dire. Mais comme on peut voir sur la boîte, il y a d'autres couleurs disponible. Il y a ma couleur du rouge, du bleu et du noir. Ensuite j'ai eu un micro. Voilà, donc là ils l'ont appelé Legendary Vocal Microphone. Donc oui c'est un microphone en vrai. Donc là il était bien protégé dans une boîte. Donc il y a des papiers pour expliquer, mais bon voilà. Ici c'est un petit scratch pour l'accrocher à des choses. Enfin, je n'ai pas trop trouvé d'utilité encore. Mais bon voilà, je garde, ça peut toujours servir. Hein. Après tout, c'est là, c'est qu'il y a une utilité. Ensuite, il y a un truc pour le reposer le micro sur un pied. Mais en fait, moi j'ai pas de pied, donc là ça me sert à rien. Et ça c'est un autocollant, donc franchement je l'ai jeté parce que c'est pas super joli, hein. C'est juste avec le nom de la marque, donc sûr. Enfin si ça se dit comme ça, sûr, je sais pas. Et donc dans une pochette, donc ça c'est bien pour protéger, et ben il y a le micro. Donc ça se ferme par une fermeture, donc vraiment c'est bien. Donc en fait il est assez petit, mais il est assez lourd pour sa taille. Mais c'est pas lourd quand même, hein, faut pas s'inquiéter. Donc moi je voulais un micro surtout pour mes chansons sur Eleazic. Donc je vous mettrai le lien de cette chaîne, parce qu'en fait c'est mon autre chaîne YouTube. Donc d'ailleurs ma première, donc je vous mets le lien en annotation et dans la barre d'infos. Donc c'est pour avoir une meilleure qualité de son,
notamment sur cette chaîne, mais aussi sur celle-ci, quand je fais les voix off, comme ça, il y a une voix plus nette. Et vraiment, c'est mieux. Ensuite, on a une interface, voilà, rouge. Je suis pas sûre qu'il y avait d'autres couleurs, mais bon, ça m'est un peu égal, hein. Donc je la trouve assez jolie comme ça, et c'est pas très grand. Donc en fait, c'est pour mon micro. C'est pour transmettre le son du micro directement sur l'ordinateur pour l'enregistrer sur l'ordinateur pendant que je parle en fait. Donc là, c'est pour protéger. Ça fait un peu des boîtes d'œufs. C'est vrai qu'en les voyant, ça m'a fait penser à ça. Donc voilà. C'était la petite parenthèse. Donc l'inconvénient, c'est qu'il faut télécharger un logiciel et on a pris au moins 2 semaines à chercher, chercher, chercher pour télécharger le logiciel parce qu'il n'y a pas de CD d'installation. Donc ça, c'est vraiment nul, je trouve. Donc ça, c'était très agaçant. Et en plus, le logiciel est en anglais. Donc c'est pas très pratique. Donc faut que je comprenne comment ça marche. Et j'essaierai pour mes prochaines vidéos de le faire du coup avec le micro, la voix off. Sauf que là, vraiment, ma vidéo, vu qu'elle est super en retard, j'avais pas envie de perdre encore plus de temps et essayer de voir comment ça marche, etc. Donc je vous le ferai pour la prochaine, j'espère. Et enfin, dans la dernière catégorie, qui est la catégorie autre, donc dans laquelle, enfin, je savais pas dans laquelle classer ces deux derniers cadeaux. Donc il y a un porte-clés, c'est un cœur où il y a marqué I love you, très mignon, mais en fait j'en avais déjà eu un. Donc c'est les deux mêmes. Bon, à part que le nouveau, il y a encore les étiquettes que je vais couper. Mais c'est pas grave parce que j'adore. C'est super mignon, je trouve. Bon, après, accroché sur un sac, etc., je trouve ça un peu gros, mais sinon, c'est vraiment mignon, j'aime bien. Et enfin, le cadeau que tout le monde a, donc là, c'est dans une enveloppe, c'est un billet de 20 euros. Voilà, tout le monde a de l'argent à Noël, et ben voilà. Moi, j'ai 20 euros de mes grands-parents, et vraiment, voilà. Je sais pas encore ce que je vais en faire, mais je suis contente. Donc voilà, cette vidéo est enfin terminée. Je suis désolée qu'elle ait été si longue. Je pensais pas. Donc j'espère que vous avez suivi jusqu'à la fin et que vous êtes encore là. Si oui, je vous en remercie. Et n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut pour me montrer que vous avez aimé cette vidéo et que vous êtes resté jusqu'à la fin. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, ça me fera très plaisir pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, ce que vous avez eu vous à Noël, les choses que vous aimez dans mes cadeaux, tout ce que vous voulez. Vous pouvez aussi la partager, la montrer à vos amis. Voilà, en tout cas, j'espère qu'elle vous a plu. Moi, j'ai aimé la faire, même si plusieurs semaines j'ai pas pu la faire et ça m'a vraiment énervé de la mettre aussi tard. Mais vu tout le boulot que j'avais passé dessus, j'avais pas envie de pas la poster. Même si à un moment je me suis demandé vraiment si j'allais la poster parce que je trouve ça un peu tard. Mais je me dis que pour l'année prochaine, ça pourra quand même. Vous allez peut-être regarder ce que ça vous intéressera. Je me dis que ça peut aussi vous donner des idées de cadeaux d'ailleurs. Bon, bah du coup, ce serait pour l'année prochaine ou pour des anniversaires. Ça pourrait vous donner des idées de cadeaux, voilà. En tout cas, les miens, ils m'ont tous fait plaisir, plus ou moins. Après, il y en a qui sont un peu, je dirais, pas inutiles, mais dont je me serais passée. Mais ça reste des cadeaux et je suis vraiment très contente de les avoir eus. Donc voilà, je remercie à tous ceux qui m'ont offert mes cadeaux. Donc mes oncles, mes tantes, mes grands-parents, mes parents, mes cousines, etc. Ensuite, je vous souhaite un joyeux Noël ben, pour l'année prochaine parce que pour cette année, c'est un petit peu en retard. Et je vous souhaite aussi une bonne année, même si c'est encore un peu en retard
là, vous avez encore du temps à passer sur cette année. Donc, je vous souhaite quand même une bonne année, enfin même une très bonne année. J'espère que vous aurez plein de cadeaux dans l'année, à votre anniversaire, pour le prochain Noël, etc. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour suivre mes vidéos plus facilement et pour me montrer que vraiment vous appréciez mes vidéos. Vous pouvez aussi mettre en commentaire des idées de vidéos que je pourrais faire. Donc là, j'ai pas mal d'idées, mais vous pouvez également m'en donner d'autres. Ce sera intéressant. Ce sera jamais perdu. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis bye. À la prochaine.